Au Saguenay, on avait des assemblées énormes, 800, 900, 1000 personnes. La plus grosse que j'ai eue, c'était 1250, au sous-sol de l'église d'Arvida. On mettait toujours 3 micros dans l'allée pour qu'ils puissent venir me questionner. Et dans mon émission télévisée, je ne cessais pas de répéter « Cessez d'aller aux compagnies de finances. Regardez de quelle manière vous faites voler. Hein? » Quand ils venaient à nos bureaux, il disait toujours « Oui, mais je suis allé à un autre parce que je pensais que cela était honnête. Ben, » je vous ai dit qu'elles étaient toutes croches, toutes des voleuses. Bon, comment ça se fait que vous êtes allé encore vous mettre les deux pieds dans la même bottine puis vous faire fourrer par eux autres? Mais les caisses populaires ne prêtaient pas aux travailleurs. Faut pas l'oublier, prêtaient à la bourgeoisie. Alors, où aller? J'ai eu à un moment donné un appel du gérant de la Banque Royale de Chicoutimi. J'ai jamais oublié son nom, un nommé Vanas. Il dit, « Monsieur Lorrain, dis-moi, je suis toutes vos émissions. » Il dit, « Quand vous avez des cas intéressants, envoyez-les-moi, puis moi, je vais leur prêter. » Bon. Mais ça, c'était du capitalisme. On ne pouvait pas faire de la propagande pour la Banque Royale. Vous comprenez bien, hein? C'était pas possible. Mais discrètement, on en a envoyé beaucoup à la Banque Royale. Et bravo sur le travail qu'ils ont fait de départ là, pour nous aider. Alors, lors de cette fameuse assemblée-là, il y a un travailleur qui s'est levé. Il a pris le dernier micro, il est gravé dans ma mémoire. Il dit, Lorrain, il dit, je suis écœuré de t'entendre critiquer les compagnies de finances. Il dit, dis-nous où tu veux qu'on aille et on va te suivre. C'est que le type, quand il m'a dit ça, j'ai dit à ma secrétaire, j'ai dit, Micheline, vous souvenez-vous d'une lettre qu'on a reçue d'une petite fédération de caisses à Montréal? Qui nous félicitait tout, qui nous disait, ben si vous avez besoin d'aide, contactez-nous, on serait intéressé à vous rencontrer, quelque chose comme ça. J'ai dit, Michel, il faut que vous me trouviez cette lettre-là. Alors, j'ai tout de suite téléphoné à la Fédération. Le directeur général, c'est un dénommé Robert Supra, gars fantastique, qui a fait un travail merveilleux, en tout cas, mon chapeau devant ce gars-là. Je l'ai rencontré deux fois, seul. J'en parle à Marcel, et tu dis, pas de problème, on va y rencontrer. Alors, on s'est rencontrés au barbecue Saint-Hubert, métro Mont-Royal. Et c'est là que j'ai eu honte, j'ai été gêné, humilié. Tellement Marcel Pepin, le fin négociateur comme il était, intelligent comme il était, il l'a tassé dans le coin, là, puis s'il avait pu le faire passer à travers le mur, il l'aurait fait. Tellement qu'il a questionné, sous-questionné, évidemment, il ne voulait pas que moi j'embarque la CSN dans quelque chose qui ferait faillite. Hein? Et il avait raison. Il voulait me protéger aussi. Alors, en sortant du barbecue, il dit, André, il dit, pas de problème, fonde autant de caisses que tu voudras. Alors là, j'ai recontacté Robert Supra. Et en un an et demi, j'en ai fondé 83. Les caisses d'économie, c'est une caisse populaire à l'intérieur d'une industrie. C'est une véritable caisse populaire, mais qui travaille à l'intérieur d'une industrie, qui a son local dans l'industrie même. Et c'est là qu'elle travaille. J'avais toutes mes équipes, moi, du budget familial. Alors, elles étaient au courant des caisses qu'on fait fonder. Alors, eux autres faisaient la propagande. Et là, tous les conseils centraux n'en voulaient. C'est pas compliqué, hein? C'était un rush. Alors, moi, j'allais dans tous les conseils centraux et les industries qui voulaient fonder une caisse pour faire l'éducation de la caisse, pour les éduquer sur la loi des coopératives, des caisses d'épargne et de crédit, qui est la même caisse que celle du mouvement des jardins. Et quand ils étaient prêts,
Il me contactait, parce que ça prenait 12 personnes pour fonder la coopérative. Il me contactait et moi, je les mettais en connexion avec Robert Supra, qui lui avait engagé un de mes infirmiers les plus efficaces que j'avais au niveau de mon équipe du budget familial, qui était un infirmier de hall. Alors, il l'a engagé, ils n'avaient pas une scène, il l'a engagé sur espoir que ça fonctionnerait, si vous voulez, un acte de foi, si vous voulez, qu'on a fait. Hein? Ils étaient trois employés. Alors, dès que je téléphonais, lui allait rencontrer les travailleurs, créait la caisse d'économie, et moi, je me retirais. Le désir de Jean Marchand, tu crées, tu te retires. Alors, je créais la caisse, je me retirais, j'en créais une autre, je me retirais, etc. En un an et demi, j'en ai fait 83. Quand on a contacté Desjardins pour fonder des caisses populaires à l'intérieur de l'industrie, pas question, dans toutes les paroisses, il y a une caisse populaire, puis pas question d'aller dans l'industrie. Là aussi, j'ai le refus de Desjardins. J'ai le refus de Desjardins partout, partout, partout. Mais nous ne faisons rien sans d'abord aller voir Desjardins, parce que moi, c'est mon idéal. Comme ça prenait une ampleur absolument pas prévue, parce que dès la première journée, vous savez que Jean Marchand m'avait dit, ce que tu vas faire, c'est ouvert à toute la population. Hein? Je vous l'avais précisé, ça. C'est pas seulement que pour les syndiqués de la CSN. Tous les Québécois pourront venir à nos bureaux, sans aucun contrôle syndical. Alors là, il était temps de passer au rêve de Jean Marchand. On donne ce que l'on vient de créer. Alors là, j'ai provoqué un congrès au Lac de l'Âge, où j'ai invité tous les organismes pouvant être intéressés à la cause. Il y en est venu 35, sauf Desjardins, qui a refusé d'être présent. Et là, on a créé la Fédération, l'Association coopérative d'économie familiale, les ACEF. Alors là, moi, je me retirais. D'après le mandat que j'avais été reçu, tu crées, tu te retires. Tu crées d'autres choses, tu te retires. C'était toujours le mandat qu'on m'avait donné. Et là-dessus, j'étais fortement surveillé, je peux vous dire. Et j'étais d'accord. Ce n'était pas une pression sur moi. J'étais tout à fait d'accord. On crée, on se retire. C'est ça le mouvement syndical. Alors là, on a formé un conseil d'administration, un président, etc., sur place. Et moi, je leur ai donné les pleins pouvoirs. Voler de vos propres ailes maintenant. Nous, la CSN, nous nous retirons. La loi de la protection du consommateur, c'est que quand j'ai commencé en 62, rien n'existait au niveau de la protection du consommateur. Rien. Les deux seules lois, la loi fédérale sur les petits prêts, la loi provinciale sur les ventes à tempérament, mais aucune n'était respectée. Bon. Alors, plus on avançait, plus je donnais des conférences de presse, plus je divulguais tout ce qu'on trouvait dans nos dossiers, plus on constatait que ça nous prenait une loi pour protéger les consommateurs. Alors ça a mis en marche beaucoup de choses, dont un fonctionnaire au gouvernement, son nom m'échappe. Je l'ai rencontré une ou deux fois, mais je ne me souviens plus qui il était. Il y a eu des projets qui ont été présentés, des projets nous ont été soumis. On a analysé les projets. On les a analysés et commentés. Et c'est là-dessus que notre influence a été très forte au niveau de la loi de la protection du consommateur, parce que sans nous autres, probablement que ce fonctionnaire-là n'aura pas préparé un projet de loi. Alors, l'idée de Marchand et de Pépin, on créait, on administrait, on allait chercher une loi, puis on donnait. C'était ça. On a pas mal réussi. Pas mal. C'est incroyable parce que la CSN a donné au peuple, puis ils savent pas. Ils ignorent. Tous les samedis matin, mes moniteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je les réunissais au sous-sol de l'édifice syndical. Puis ils me racontaient ce qu'ils avaient découvert. Je ne vais pas être le même soir dans les 7 bureaux, c'était pas possible. Et à un moment donné, il y en a un qui s'est mis à nous raconter qu'un travailleur était venu et avait dit, je ne cesse pas de me faire saisir pour une dette que je ne dois pas. La semaine suivante, plusieurs autres moniteurs sont arrivés avec la même histoire.
Bon, ça a commencé à allumer ma lumière, ça. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut être prudent quand quelqu'un nous apporte quelque chose, hein. Très, très, très prudent, parce que ça peut tout détruire. Et là, c'était devenu sérieux. Alors j'ai dit, écoutez, là, à chaque fois qu'un travailleur arrive, qui dit qu'il se fait saisir pour une dette qu'il ne doit pas, vous allez préparer un affidavit. On va aller devant un juge de paix, et il va assermenter l'histoire qu'il nous a racontée. Tout en lui. En le mettant bien en garde que si ce n'est pas vrai ce qu'il nous a dit, et avec le serment qu'il a posé sur le document, les conséquences pourraient être terribles contre lui si c'était faux. Monsieur, on a monté un dossier absolument incroyable. On appelle ça les saisies à répétition, illégales. Alors, ça se passait comme ceci. Je vais prendre un exemple bien précis. Vous savez qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a énormément de familles tremblées. Alors, Alma, qui était le grand spécialiste des saisies à répétition, les avocats que je nommerai pas, sont sûrement morts aujourd'hui. Ils avaient un greffier, un homme damné qui était à leur service. Il y a un marchand, il y avait le médecin, il y avait le notaire. Alors, maintenant, un Joe Tremblay devait au marchand telle somme. Mais des Joe Tremblay, il y en a à tonne au Saguenay. Alors, l'avocat en question, on les a au Corbergeron, ils nous ont poursuivis, puis la poursuite n'a pas été plus loin. On a reçu une poursuite de 200 000 là-dessus. Puis elle a tombé tellement on avait des preuves solides contre eux autres. Il disait au greffier, trouve-moi le Joe Tremblay. Puis saisis son salaire pour la dette qu'il doit. Alors, le greffier partait, il trouvait un Joe Tremblay, il lui signifiait l'avis de saisie. Puis Joe Tremblay en question, il disait, mais je dois rien à cette personne-là. Le greffier disait, ben, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai un ordre de saisie de salaire sur une dette que vous devez. Alors, le greffier disait au type, ben, allez voir un avocat et puis demandez une main levée parce que c'est pas vous qui devez. Il allait voir l'avocat, puis une main levée, ça coûtait 50 $ dans le temps au Saguenay pour avoir une main levée. Mais 50 $ en 62, 63, quand le travailleur de l'hôpital gagnait 40 $ brut par semaine, vous imaginez-vous ce que ça représentait? C'était énorme. Alors, il y avait une main levée une première fois. L'avocat Bergeron faisait venir encore son greffier. Alors, retourne voir ton Joe Tremblay une deuxième saisie. Alors, Joe Tremblay est encore saisi une deuxième fois. Retourne voir son avocat, une deuxième main levée, 50 $. Retourne voir ton Joe Tremblay une troisième fois. Et là, ce pauvre Joe Tremblay n'avait plus de 50 $ pour avoir la main levée. Son salaire était saisi et payait une dette qu'il ne devait pas. Alors ça, on a monté un dossier comme ça. C'était scandaleux. Alors, je suis arrivé à mon émission télévisée. Mes travailleurs m'avaient secondé. J'ai dit, le barreau, c'est la pègre locale. C'est les termes exacts que j'ai employés. J'étais pas gros. Vous savez qu'est-ce que c'est que d'attaquer un barreau? Edgar Gay m'avait bien avisé quand j'ai commencé mon action. André, fais tout ce que tu veux, n'attaque jamais le barreau. Ils ont convoqué le soir même une réunion d'urgence, déchaînée, démontée contre la CSN et moi. Ils ont ensuite préparé une poursuite de 3 millions de dollars contre moi et contre la CSN. Et à un moment donné, il y a un avocat qui s'est levé. Il a eu le courage de leur dire, et c'était le bâtonnier, leur dire, écoutez, ce que je vois dans mon bureau, ce qu'André Lorrain dit, vous savez que c'est vrai. Et si on lui signifie l'action que nous venons de préparer, je fais conférence de presse et je dis la vérité. Ils ont reculé. Alors, nous autres, le lundi matin, on savait qu'ils avaient préparé une action. J'étais à mon bureau, on attendait le huissier, et rien. Le mardi matin, on attendait encore, rien. Le mercredi matin, rien. Mais en fin d'avant-midi, le téléphone sonne. C'est la secrétaire du bâtonnier qui m'appelle. Dit, Monsieur Lorrain, le grand exécutif du barreau du Saguenay-Lac-Saint-Jean veulent vous rencontrer au restaurant Amato de Jonquière. C'était la première fois que le barreau recevait le mouvement syndical à la grandeur de la province. Je n'ai pas besoin de vous dire que ça a été viril.
Ils avaient des crottes sur le cœur, puis ils n'ont pas digéré ce que j'avais dit à la télévision. Nous ne sommes pas gênés pour leur dire ce que nous pensions d'eux sur leurs agissements illégaux. Ça s'est calmé. Après ça, le bâtonnier a pris la parole. Il dit, Monsieur Lorrain, dit, le barreau a une offre à vous faire. Il dit, on veut réparer le tort qui a été fait. Il dit, on constate comme vous qu'il manque un chaînon dans toute la lutte que vous menez contre les crédits à la consommation, contre les exploiteurs de compagnies de finances, etc. Préparez un petit document disant, nous venons d'analyser la situation de M. Untel et nous constatons que cette personne-là a besoin d'aide juridique immédiate. Préparez-le vous-même, le document. Moi, je ne voulais pas. Je voulais que ce soit le bâtonnier qui le prépare. Non, 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 c'est vous qui allez le faire. En autant qu'il va être signé par le moniteur qui aura analysé la situation du travailleur et qui sera contre-signé par un deuxième qui aura contre-vérifié, ce travailleur-là pourra se présenter chez l'avocat de son choix, à la grandeur de la région, et tous nos services seront gratuits, y compris la plaidoirie. Naissance de l'aide juridique. Critère de sélection. C'était pas ouvert à large à tout le monde. Hein? Fallait que ce soit analysé, qu'il y a un autre qui... Gratuité absolue. Et ce sont les critères que Jérôme Choquette a retenus quand il a légiféré sa loi sur l'aide juridique. Il a copié mot à mot mon entente avec le barreau du Saguenay. Victoire incroyable. Alors, si je n'avais pas dénoncé le barreau, leur dire qu'ils étaient à la paix locale, on n'aura pas l'aide juridique aujourd'hui. C'est aussi clair que ça. Mais ça fait me coûter 3 millions de poursuites. J'ai fait énormément de counseling dans mon bureau. Hein. Je ne peux pas vous dire le nombre de familles qui sont venues me voir, je ne sais pas. Mais quand on faisait le listage des dettes, il y avait toujours l'assurance automobile, le compte qui devait à l'assurance automobile. Puis là, je voyais que le coût était énorme. Ça n'avait pas de bon sens. La dette automobile pouvait représenter peut-être 5-6% de l'endettement global, à peu près. Mais c'était tout de même, ça faisait partie du lot d'endettement. Alors, quand on a créé notre première caisse d'économie, je me suis dit, pourquoi je n'essaierai pas de négocier avec le mouvement Desjardins une flotte automobile à un prix nettement réduit? Mettons la caisse d'économie de l'Hôtel du Québec, disons. Bon, 800 employés dans la caisse. Alors là-dessus, il y a peut-être 600 personnes qui ont une automobile. Alors ils viennent, ces 600 personnes-là, qui s'assurent, forment, c'est ça une flotte. C'est le consommateur qui forme la flotte. C'est ça. Alors, je suis allé à Lévis, comme toujours, parce que c'est mon idéal, puis je vais mourir avec cet idéal-là. Jamais Lévis pourra me l'enlever. Alors, c'est un nommé Adam, qui était le grand responsable des assurances à ce moment-là, au moment des jardins. Et il m'a demandé, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, Monsieur Adam, j'aimerais venir parler de la possibilité de créer une flotte d'assurance automobile pour nos membres des caisses d'économie. Pas intéressé! Il ne m'a même pas offert de m'asseoir. Même pas. C'est pas grossier en monde, monsieur. Hein, c'est vraiment mal élevé, ça. Alors, je suis parti, mais je réalisais que j'avais accompli un autre pas important dans ma vie, aller d'abord voir le mouvement Desjardins avant d'aller voir le système capitaliste. Alors, je suis allé à Toronto. J'ai rencontré la compagnie Scottish & York. Très bonne compagnie écossaise, extrêmement solide, qui m'ont offert un plan où, en général, on réduisait nos primes de 40 %. Alors, il fallait passer par un courtier. Alors, j'ai contacté Pratt & Côté à Québec, qui ont engagé un employé uniquement affecté à notre flotte, à plein temps, tellement que c'était devenu énorme, notre flotte automobile. Claude Bélan, l'ex-président du Mouvement Desjardins, qui était l'avocat de la Fédération et qui, lui, avait fondé avec les chauffeurs de taxi de Montréal une
compagnie d'assurance Belair pour les taxis. Et c'était devenu assez puissant. Et là, on m'a demandé, André, es-tu d'accord là pour qu'on transfère tout ce qui est à Scottish à New York à la compagnie québécoise Belair aux mêmes conditions, avec le même agent que j'ai prêt à tes côtés et que nous avons engagé? J'ai dit oui, instantanément. Alors, on a quitté la Scottish à New York pour être là. C'est que moi, je dis qu'on a dû transférer 30-35 000 clients. Au moins. Au moins. Parce que tous nos membres de nos 15 économies avaient leur assurance avec Scottish à New York à cause de la prime. La prime énorme. La prime, la différence était énorme. Alors, ça, au même moment, chez nous, à la CSN, il était emballé par l'assurance automobile de la Saskatchewan. Alors, on a dit, nous autres, si on mariait l'assurance automobile de la Saskatchewan avec notre plan, nous autres, on pourrait avoir un sacré beau plan provincial. Alors là, on s'est mis à faire des pressions, à faire des projets, absolument tout. On a alimenté Lise Payette. Quand Lise Payette a été mandatée par René Lévesque pour créer l'assurance automobile québécoise, évidemment, on a joué un rôle d'influence considérable. Et je n'ai pas peur de vanter Lise Payette, de dire à quel point cette femme-là, elle est admirable, haute dans mon estime, elle est franche et honnête. Et le soir que la loi a été votée, Lise Payette a bien précisé, si ça n'avait pas été que de la CSN, peut-être qu'on n'aura pas de loi aujourd'hui. C'est Jean Marchand puis Trudeau. C'est une loi canadienne qui offrait aux provinces, chaque province, de prendre le plan. Mais l'assurance santé, c'est pas Castonguay, c'est pas vrai. C'est Marchand Trudeau. Puis Marchand, ça a commencé 7-8 ans avant qu'il quitte la CSN en fondant les SSQ. Parce qu'au niveau de nos conventions collectives, nous autres, on mettait une protection d'assurance santé parce qu'elle n'existait pas au niveau provincial. Alors, il fallait aller dans le public, dans le privé, puis on se faisait rouler, on se faisait voler. Donc, c'est à ce moment-là que Jean Marchand a convaincu la CEQ. La FTQ de se joindre ensemble et qu'on a fondé les services de santé du Québec, une mutuelle, pour nous préparer des plans d'assurance santé pour nos conventions collectives. Alors, les SSQ, fondés par les trois centrales, administrés par les trois centrales, parce que les conseils d'administration étaient un tiers de chaque centrale au niveau des SSQ, a été le père de l'assurance santé. Alors, vous savez que Trudeau et Jean Pelletier étaient employés à la CSN. Alors, quand le trio est allé, les trois colons sont allés à Ottawa, bien, ils ont transporté les mêmes idées. Alors, Trudeau, Marchand, Pelletier, ils ont passé la fameuse loi de l'assurance santé nationale, mais administrée par les provinces. Et les provinces qu'ils prenaient, le fédéral payait 50% du coût. Donc, Castonguay n'a pas fondé l'assurance santé, c'est pas vrai. Il a appliqué la loi nationale. On dit toujours Castonguay, c'est faux. C'est-à-dire, c'est lui qui l'a mis en application au Québec. Mais c'est pas lui qui l'a créé. C'est Trudeau Marchand. Que jamais je n'aurais pu imaginer autant que j'ai eu des volées. J'ai eu les deux. Mais les volées, ce n'est rien comparé à la belle vie et à quel point la société m'a gâté. Gâté à l'extrême. J'ai eu des compensations, moi, quand je pense à
tout ce que la société québécoise m'a donné, là, je me pose encore la question, est-ce vrai? Je le crois pas. Si c'était à recommencer, je recommencerais tellement ça a été beau. Vous savez, à 26 ans, quand on attrape la tuberculose, on a une première volée. Mais c'est que toute votre carrière s'écrase au complet. Mais c'est tout oublié tellement la vie a été belle pour moi. Vraiment belle. Et j'ai été super gâté par tout le monde. Tout le monde. À commencer par la CSN. Et la CSN n'a jamais... Je ne remercierai assez ce mouvement. Jamais.